Hello mes beautés, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo afin de vous partager mes produits finis et ainsi quelques produits favoris de la semaine que j'ai découvert. Voilà, je me suis dit, je vais les mettre ensemble dans cette petite vidéo. Alors, je commence tout de suite avec les produits finis et bien évidemment, je ne pouvais commencer cette vidéo en vous parlant d'un produit fini, le masque Renaissance de la marque RK. Vous voyez, vraiment incroyable. Mes cheveux, ils ont doublé de volume. Vraiment, c'est incroyable. Essayez-les si vous n'avez pas encore testé. C'est formulé en laboratoire français à base de kératine, d'acide hyaluronique, de caviar, d'huile d'argan. C'est sans formol, sans sulfate. Donc idéal pour entretenir tous les types de lissage brésilien et puis ils vont prolonger vos lissages, que ce soit l'indien, le tanin, le brésilien, peu importe. Et ils vont également entretenir tous vos soins botox capillaires que vous avez appliqués sur votre chevelure. Vraiment, c'est une pépite. Le shampoing, pareil, il est excellent. Je l'ai toujours à l'arrière sur ma commode. La marque RK, c'est du lourd. Donc foncez pour toutes les personnes qui n'ont pas encore testé. Et puis au niveau du packaging, s'il vous plaît. Vous avez vu comment c'est trop joli. Ensuite, je continue avec des produits. Cette fois-ci, je ne les ai pas utilisés moi, mais c'est ma maman qui les a utilisés. Et elle m'a dit qu'ils sont vraiment ultra géniaux. C'est le sérum Poten de chez Dior. La gamme Capture Total, pardon. Alors, pour vous dire, elle a tellement aimé qu'elle en a acheté deux. Elle a fini les deux. Donc voilà, c'est pas de la gnotte-gnotte. Donc, ma maman, elle aime beaucoup tout ce qui est crème hydratante, etc. Elle ne se maquille pas, mais elle aime bien prendre soin de sa peau, de faire des belles skincare routines, etc. Celui-ci, c'est un contour de l'œil avec un embout fer. Donc, l'idée est de mettre la crème sur le cerne et puis de faire ces petits massages en mouvement circulaire. Alors, ce sérum contour des yeux permet une revitalisation et un agrandissement de la zone du regard grâce à une formule fraîche et ultra fondante. Le regard semble immédiatement plus ouvert et décongestionné. Idéal, ce super sérum est complété par un applicateur haute performance. Il s'adapte à différentes formes d'yeux et permet d'atteindre les zones les plus délicates du contour de l'œil. Au niveau des résultats, votre contour de l'œil paraît défroissé, lifté et détendu. Votre regard s'illumine jour après jour. Votre regard semble s'agrandir, plein de vie. Une efficacité prouvée. Ma maman m'a confirmé tout ce que je viens de vous lire. Donc pour toutes les personnes, voilà, à partir de 50 ans, même à partir de 45 ans, je sais qu'il y a des personnes qui fripe plus rapidement au niveau du contour de l'œil, car c'est une des zones du visage qui est la plus fine, donc qui aura tendance à le plus se rider. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre un contour de l'œil, etc., et de s'hydrater cette partie-là afin d'éviter, enfin, ou du moins de retarder le plus possible les premiers signes visibles de l'âge. Donc voilà pour cela. Ensuite, elle a également validé, oui, encore ma maman, une gamme de chez Guerlain, la Gold High Tech. Alors celle-ci, pareil, c'est une pépite. Elle est abonnée, ma maman, chez Guerlain. Elle aime énormément leurs produits au niveau des formulations, etc. Alors, je sais, il y avait eu un bad buzz autour, il n'y a pas très longtemps, autour d'une gamme Guerlain, car ils employaient des mots assez, voilà, très cinéma. Pour mettre en avant, pour promouvoir leurs produits, mais bon, quoi qu'il en soit, ceci ou pas étant dit, il reste que les produits Guerlain, ou du moins pas tous, bien évidemment, comme beaucoup de marques, hein, parfois ils ont des produits moins bien que d'autres. En l'occurrence, les contours de l'œil chez eux, ils sont géniaux. Et voilà, ma maman, elle valide quoi. Ensuite, un produit que je n'ai pas validé, c'est un masque de chez Kenzo, le masque SOS, voilà, pour le visage. Un masque avec un embout applicateur comme ceci. Franchement, j'ai pas été fan. Ça hydrate un petit peu sur le coup, mais ça ne traite pas des problématiques, ça n'illumine pas, ça ne raffermit pas le grain, le pore, ça n'affine pas les grains de peau, bref. C'est vraiment pas le genre de produit sur lequel je vais trop m'attarder parce que voilà, il ne m'a pas convaincue. Je sais pas si j'ai essayé ce masque en vidéo ou si je l'ai testé hors caméra. C'est le masque Pielor Vital Infusion. Si, je me souviens,
Je l'ai fait en vidéo, le sébum contrôle. Alors c'est un masque génial, un masque en tissu que vous appliquez sur votre visage. Il va apporter vraiment toute cette douceur, cette régénération faciale de l'épiderme qui est extraordinaire. Vous le laissez poser 20 minutes. Il est fait à base d'acide hyaluronique, de collagène, de tea tree. Donc pour les personnes qui ont des peaux à tendance grasse acnéique, la tea tree c'est très très bon car elle lutte, elle cible l'inflammation qui peut être causée par les boutons et ainsi neutraliser cette germe qui nous cause ces fâcheux boutons. Donc pour les personnes qui veulent tester ces masques-là, vraiment j'avais bien aimé, donc n'hésitez pas, vous allez voir, c'est une petite pépite. Au niveau des anti-cernes, j'ai fini celui-ci, le concealer fausse allure, je sais pas... Où est-ce que je l'avais pris? Je ne sais pas si c'était sur le site Shiglam. Dans tous les cas, franchement, j'avais bien aimé. Il ne marque pas les ridules. Au niveau de son embout, on a un embout mousse qui était facile et agréable pour l'application. Donc voilà, celui-ci, de toute façon, je vous mets toutes les références des produits là que je vous présente dans la vidéo en barre d'infos. Petite parenthèse pour les personnes qui apprécient le make-up de cette vidéo. Je l'ai filmé dans un Get Ready With Me. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mets le lien de cette vidéo là-haut pour les personnes que ça intéresse. Ensuite, alors, un eyeliner de chez L'Oréal. Le Super Liner Carbon Gloss. Franchement, celui-ci... En fait, je sais pas, la première fois que je l'ai utilisé, j'aimais bien. Mais en fait, l'embout mousse a, comme qui dirait, séché. Il commençait à s'effriter. Donc voilà, je trouve ça dommage parce que je ne l'avais pas encore bien utilisé ou autre. Donc voilà, je ne rachèterai pas. Je continue avec un produit de la marque Nabila Beauty. J'avais fait une collaboration avec elle. Mais ce produit-là, vraiment quand j'ai voulu en rappliquer, il a complètement séché. La brosse, elle est incroyablement nulle. J'ai eu un problème aussi avec des rouges à lèvres. Vraiment, j'avais fait une vidéo. Je vous mets le lien de cette vidéo là-haut pour les personnes que ça intéresse. Et vraiment, voilà, comme je vous ai dit toujours, que ce soit collaboration ou pas, je suis sincère. Sur le coup, les produits étaient bien. Mais s'il vous plaît, un mascara dont la brosse devient comme ça. Et ça fait un moment que je veux faire la vidéo, etc. Le mascara n'avait même pas un an lorsqu'il est devenu comme ça. Alors je veux bien que peut-être le produit est devenu ainsi. Voilà, c'était le seul à qui ce problème est arrivé. Parce qu'il faut savoir que les mascaras ont tendance à sécher, c'est un fait. Mais pas aussi rapidement. La petite bémol, après il y avait des produits qui étaient bien. Notamment les ombres à paupières que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs que... j'utilise toujours, il y avait aussi le bronzer qui était top, il y a des produits qui sont bien. Là vraiment c'était juste au niveau de deux rouges à lèvres et du mascara que j'ai eu ce problème là. Et en sachant que un des rouges à lèvres dans le mois même où je l'ai reçu, ben, le raisin en fait il a décollé. Donc voilà, c'est dommage. Après depuis je sais pas si elle a ressorti des make-up ou autre, mais voilà, ça peut arriver. On n'est pas là pour descendre des trucs, je vous donne juste mon avis. Peut-être que le prochain mascara il sera bien. Si Nabila tu vois cette vidéo, je serais ravie de tester un mascara qui ne va pas lui arriver ce petit problème au bout de quelques mois. Alors je continue avec les produits Kiko. Alors, deux produits pareils qui étaient encore quasiment neufs, il leur est arrivé une problématique de destruction. Voilà, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais voilà, l'éponge a complètement séché. Alors là, vous allez dire, non mais attends Coco, ça fait déjà deux produits. Oui, ben, c'est les produits que j'ai mis là de côté. Comme vous savez, je suis make-up addict. Du coup, j'ai plein de produits, etc. Mais il n'y a pas de problématique avec les autres produits, du moins pour le moment. Mais ces deux-là, de chez Kiko, catastrophe, voilà. C'est devenu des petites éponges cassées. Et pourtant, ils étaient bien. Hein. J'aimais bien leur utilisation. En termes de fond de teint, le Bar Minéral Bar Pro, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Je vous l'avais même présenté dans une vidéo, si je la retrouve, je vous mets le lien de celle-ci là-haut. Alors c'est un fond de teint qui va vraiment flouter les imperfections pour les personnes qui cherchent à avoir un teint lumineux, au fini, glow. C'est vraiment le fond de teint que j'avais recommandé. Et c'est un fond de teint qui bénéficie d'un SPF 20. Comme je vous le dis toujours, ce n'est pas du tout négligeable. Il a une belle couvrance, vraiment, pour les personnes qui aiment bien la marque Bar Minéral.
N'hésitez pas à vous le procurer en vente en ligne, il y est toujours. Je continue avec un petit sérum de chez Make Up For Ever que j'ai beaucoup aimé. C'est un sérum que vous pouvez utiliser avant de mettre votre fond de teint. C'est un skin booster repulpant, hyper hydratant, qui va vous donner ce petit éclat spontané à la peau. Et j'aime bien. Alors, il est à prélever à l'aide d'une petite pipette. Donc, voilà comment on il reste un petit chouïa. Vous voyez, il est transparent, très smooth. En termes de skincare, j'ai utilisé ces deux produits de chez Lancôme. Je vous en avais fait une vidéo, je vous mets le lien de celle-ci là-haut pour les personnes que ça intéresse. Alors cette lotion tonique au miel d'acacia, je l'avais énormément validée, ainsi que le lait démaquillant à l'extrait de papaye. Vraiment, tout ce qui est skincare routine de chez Lancôme ou de chez Dior, vraiment on est sur du luxe, mais j'aime beaucoup en termes de soins. Je trouve qu'ils sont vraiment très très forts. Donc voilà, si vous voulez tester gamme luxe en skincare, n'hésitez pas à vous diriger vers ces produits-là. En termes de shampoing, je vais vous parler d'un shampoing sec, le Baptiste que vous connaissez tous. Alors là, je sais, il y en a plein, ils vont crier « misère, on n'aime pas, ça fait crade, etc. » Mais il y a beaucoup de filles qui me demandent « Coco, j'ai les cheveux gras, je suis obligée de les laver tous les jours, etc. Qu'est-ce que je peux faire ?» Eh bien, ma chérie, je vais te répondre comme je réponds à toutes. C'est « vous êtes obligée de passer par la case, franchement, nos shampoings pendant plusieurs jours parce que vraiment ça va être une catastrophe, sinon vous allez perdre toute votre masse capillaire, vous allez ramener vos cheveux vers un terrain très compliqué pour pouvoir faire marche arrière et en revenir. Alors oui, je sais, c'est pas évident, etc., mais prenez sur vous, essayez d'espacer vos shampoings le maximum possible et aidez-vous avec les shampoings secs, vous allez voir, ça va vraiment vous aider. Après, je sais, il y a la team le matin, pas le time de se préparer, etc., un petit coup de shampoing sec et puis ça fait l'affaire, ça aussi c'est très bien, libre à vous de l'utiliser comme vous voulez. Là vraiment, je cible celles qui galèrent avec les cheveux gras. C'est l'alternative. Voilà, après vous pourrez utiliser et même pendant les produits RK Paris et vous allez voir vos cheveux, vous allez être conquises. Je continue avec des produits que j'ai reçus cette semaine et qui sont un petit coup de cœur. Alors c'est une petite collaboration là que j'intègre dans ces produits là. Alors c'est la marque Aynalia. Ce sont des cosmétiques faits à base de musc. Moi le musc j'aime beaucoup, tout ce qui est les senteurs du Moyen-Orient. Et puis là elle fusionne avec les parfumeurs français. Et voilà, bah, comme je dis toujours, l'union fait la force. Du coup c'est une mousse intime nettoyante et bien évidemment à la formulation verte. Car je ne vous dirai jamais de mettre des produits qui soient avec une mauvaise formule dans cette partie du corps là. Ils sont extrêmement bons en plus. Et voilà, moi j'aime bien. Il y a le déodorant également. Alors c'est un bloc solide qui ne fait pas de traces au niveau des aisselles, etc. Franchement, moi, voilà, j'aime bien. Et puis, il y a un autre petit cadeau dedans. C'est un musc Tahara. Alors ce musc Tahara, j'ai beaucoup aimé, pareil. Alors on en met un petit peu. C'est un flacon pompe, comme ceci. Donc on a le gel transparent. Donc l'idée est de mettre, en fait c'est comme vous voulez, moi j'aime bien en mettre ici au niveau des poignets, vous pouvez également en mettre au niveau de l'aine, un petit peu au niveau des oreilles et il sent vraiment trop trop bon. Donc en petit musc à avoir dans son sac, etc., vraiment très très bien. Et je finis avec des produits que j'ai reçus d'Angleterre. Ce sont des gummies. Alors les gummies Sleep ZZ, comme on peut le voir, ce sont des petits nounours comme ça à manger. Ben, j'ai eu plusieurs flacons mais je vais commencer avec celui-là. Alors c'est fait à base de mélatonine. Là on a 6 mg. Ça va aider à se relaxer, à bien dormir le matin. On se réveille feel good. Alors là, comme il l'explique, on a toutes les petites indications. Donc, on a feel good, on se réveille bien, on a un bon mind pour pouvoir débuter sa journée. Et puis, au niveau du goût, on a un agréable goût de myrtille. J'aime beaucoup. Alors, il y en a d'autres. Ceux-là, c'est des Black Sides. Alors, pour les personnes qui font de la muscu, pour le renforcement des os, pour avoir aussi de jolis cheveux, vraiment génial ces produits-là. Alors, il y en a également à la pomme avec de la vitamine B.
Ceux-là, par contre, je les ai aussi trop aimés. J'aime beaucoup goût pomme. Il n'y en a presque plus. Pour un bon maintien également de l'équilibre cardiaque. Et bien évidemment, avant d'utiliser des gummies, demandez l'avis d'un spécialiste. C'est toujours préférable pour les personnes que ça intéresse. Elles sont halal et vegan. Et il y a aussi des comme ça, mais vraiment sur le site, ils en ont énormément. Celles-ci, c'est pour, pareil, pour avoir un bon état d'esprit. Elles aident au niveau de la muscu également et au niveau du bien-être. Donc voilà pour les petites gummies. Ah, il y en avait un autre paquet là. Et il y a également les gummies au collagène marin qui sont extraordinaires. Comme vous le savez, les gummies collagène, elles sont vraiment très tendance et le collagène est très bon pour le maintien, le rebond, le visage repulpé. Également bon pour la beauté des cheveux, comme vous voyez, c'est toujours indiqué ici avec le renforcement des os et etc. Vraiment, j'aime énormément. Voilà la vidéo des produits finis et de quelques produits favoris. Elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma photo de profil qui s'affiche ici. Je vous mets également une petite vidéo là si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Mouah!